Directeur départemental l'Artibonite, la police nationale d'Haïti. Hein. Commissaire Myrtille, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à toutes les auditoires de Magic 9. Et commissaire Myrtille, qu'est-ce qui s'est passé hier et dans le lien cours? Bon, c'est une attaque qui fait contre les policiers, une attaque surprise. Il y a des dispositions que nous devons prendre au préalable. Mais nos policiers vont attendre que M. Ota intervenu, l'agent Ota intervenu en attaque surprise liée. Et là, on m'a dit, Bakop, le commissariat qu'on a eu, il dit, oui, Bakop, bah, oui, Bakop, là, mais c'est pas, Bakop, là, t'es arrivé à temps. Et t'as gagné beaucoup plus de dégâts. Et, on a plus de dégâts dans ce qui passe. Bon, de toute façon, policiers ont arrivé à temps, et ils te permettent de repousser Bandio. Ok. Maintenant, vous dites c'est une attaque surprise. Attaque là, elle commence qui l'heure et qui le bac pour l'arrivée et qui issue et attaque surprise. Bien, trois attaques qui fait surprise. Une fait à 7 heures, une fait à 10 heures, et bien une qui fait dans l'après-midi. Bon, qui fait vers midi moins. Première attaque, la police est repoussée. Il y a une trentaine d'individus. Là-dedans, il y a un bandit qui est tombé. Il y a fait retrait. Il est retourné encore vers 10 heures. Et troisième attaque, là, c'est lui-même qui était plus dur pour les policiers parce que c'était grand pile monde. Il y a un fil là-dedans, il y a grand pile monde. Il était agi sur plusieurs fronts. Et ça, c'est une fait que les policiers beaucoup plus en difficulté. Et la direction départementale, là, publié un premier bilan parce que policiers pas de policiers qui mourent dans la dernière attaque avec 4 policiers qui étaient blessés. Et après un soin long clinique, responsable a dit qu'ils sont en forme. C'est les policiers qui viennent que nous avons cap circulé sur les réseaux qui terminent mourir dans la condition de mourir. Maintenant, 4 policiers sont blessés, il y a le presse non clinique, qui disposition qui était prêt pour te sécuriser pendant que tu as presse dans la clinique là. C'est une attaque qui t'a fait sur plusieurs fronts. Disposition pour sécuriser là, on va parler dans le cadre normal. Mm-hmm. Nous comprenons ça. Mais là, il y a 150 personnes qui ont attaqué, il y a 3 groupes de policiers. Il y a un groupe qui est affecté. Donc, il faut avoir une possibilité pour prendre le temps pour aller joindre l'autre là. Et tout le ça, policiers ou pas, l'autre équipe là, pas qu'on est, si policiers ou blessés. Et c'est leur coordonnateur, c'est un commissaire, c'est le responsable qui était sur le terrain, M. Tabboumé, la machine est affectée, parce que l'incendie machine était là-dedans. Donc, ça vient fait que M. Yo vient connaître ça très tard. Dans le premier bilan qu'il a communiqué directement avec Mandala, il n'a pas même fait état de ça du tout, parce qu'il est quand même au courant que monsieur était blessé, était replié dans la clinique là. Maintenant, nous regardons l'image. Et combien de policiers qui mouri hier, et commissaire et médecin? T'as gagné 6 policiers qui mourent hier. Il y a quelqu'un qui était malade, qui était blessé à l'hôpital, et la situation était très compliquée, mais jusqu'à présent, c'est tard à me rentrer, c'était à 3 heures du matin, je me rentrais, qui était pour sonder. Peut-être que pendant le téléphone à prendre charge, il faut qu'on vérifie le statut policier, ça, dans le moment. Ok, 6 policiers, ça, il y a toutes ces UDMO, policiers administratifs? Non, tout pas UDMO, parce que l'embarcop qui était malade, c'était des policiers administratifs là-dedans. Est-ce que il y a des policiers dans ce qui t'a porté renfort qui mourent hier? Effectivement, il y a une dame qui mourit, il y a une qui blessée. Ok. Maintenant, nous regardons des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous, on a posé toutes questions, il est de mon devoir pour me poser tout type de questions, pour répondre à ces questions sensibles, qui va me faire une réponse publique. Ok. Maintenant, mais est-ce que nous équipons assez pour faire face et par rapport avec situation et de grands banditistes qui gagnent dans le département de la Tibonite, là, qui nous toient, et commissaire? Non, pas dit nous équipés pour ça, mais pour situation hier là, dans un premier temps, nous t'es contenu, jusqu'à ce que ce soit arrivé, c'est avec même moi et pas nous, t'es contenu, gagnons. Parce que c'est, gang yo même yo gen matériel moyen yo gen pile moun avec yo, mais policier soit tout c'est pas eux même qui vient voler au secours. Policier opération finie vers 3h30 et soit arrivé plus en cours à 7h du soir.
Donc c'est avec moyens par nous, nous faisons face. Mais ça va veut dire nous avons assez moyens pour nous combattre tout bandit. Ça nous fait réquisition matériel et équipement pour nous continuer. Parce que si c'était ample là, c'est plus que ça. Peut-être que les policiers sont beaucoup plus en difficulté. Ok. Maintenant, écoute de morale des troupes après incident ça, après événement ça et commissaire Mitchell. Bon, c'est une tragédie et qui est très choquant. Et nous essayons par tous les moyens pour nous qu'aimer moins les policiers. C'est policiers qui aiment ça, c'est soit venu. Malgré soit venu, c'est juste dans la matinée. Policiers continuent de travailler. Mais nous connaissons que gain les affectés. Nous-mêmes, nous là pour nous monter moral et motiver. Et c'est objectivement ça. Okay. Et merci à vous, le commissaire, merci.